Oh mon dieu, mais c'est horrible! Le youtubeur influenceur de gauche streamer Danny Caligula devient viriliste, regardez! Il montre ses tout nouveaux muscles qui viennent de popper à la salle, telle une mise à jour de Minecraft, regardez! Il montre ses muscles, mais c'est horrible, c'est de la masculinité toxique, ça me rappelle les heures les plus sombres des droitards de YouTube, regardez! Ça copie le Raptor dissolvant, mais c'est incroyable! Les gauchistes deviennent-ils zinzin? Moi je me pose des questions, regardez, quand on regarde un article de The Wordo, la virilosphère, ces youtubeurs méchants, et quand on tape en recherche muscu, eh bien on voit, regardez, la conversation démarre sur la musculation, regardez, la coïncidence, je ne pense pas. Est-ce que Danny fin du Kali Yuga se droitise? Moi je pose des questions, je ne diffame pas. Peut-être qu'il va faire un repas de seigneur avec le banc et le cigare, avec les deux compères, c'est incroyable. Regardez, bientôt il va devenir comme lui, ça va être du clonage de masse, c'est n'importe quoi, c'est des 3 become human. Et on rappelle, bah, les féministes n'aiment pas ça, les gens musclés, on va écouter vite fait un extrait. Toujours il fait des poses comme ça là, pour qu'on voit ses muscles du... On rappelle, les mâles alpha et leur masculinité toxique, starter pack du misogyne. Oh, voilà, bah, j'ai la flemme de me retourner, mais vous avez capté. Ou ce genre de choses. Moi me dérange pas, jamais j'aurais dit que ce monsieur était une péripatéticienne, tu vois. Oh là, c'est pas gentil, c'est un petit peu ça. Alors, qu'en pense l'élite? On commence avec un sticker joli et épique de soufflage de Nez Express. Il lui reste plus qu'à enlever sa coupe du Mireille Mathieu, je ne sais pas qui c'est, le bobo coco full marque qui se paie le luxe d'aller à la salle. Il faut la triple dose déjà pour aller à la salle en dépit d'eux. Il ferait mieux de moins faire la morale et jouer la cohérence jusqu'au bout. Titre, il met des PLS. Poste, il est plus beau que vous. Forum or, liste des sujets. J'avoue qu'il a un bon physique, bonne masse musculaire, je suis surpris. Je le voyais pas comme ça, il a vraiment changé depuis qu'il a commencé sur YouTube. Et voilà, parce qu'il a envie de devenir comme le Raptor, c'est Raptor 2. C'est un Deinosuchus maintenant, dépit de vu qu'il est un peu plus grand. Peut-être qu'il va devenir un Allosaure après, un Tyrannosaure, un Carnotaure, je ne sais pas, un Spinosaure, on va spinner. Le Hand Spinner. Fin du Danny Kali Yuga, pas prêt en 2022, nous sommes pas prêts. C'est donc ça, l'annoncement de la fin du Kali Yuga. Révélation au projet Anunnaki, conscience des minéraux. C'est quoi ce Playmobil? Ben, en avant les histoires en dépit de. Et en même temps c'est mobile. Aya est dire que le Raptor de 1m70, il se foutait de son physique. Oui, mais le Raptor, c'est un nain lourd. Il est aussi puissant que Thorin et cul de chêne. Lui, c'est le Kabyle et cul de chêne, en dépit d'eux. Attention, nous avons une analyse critique. 100% skinny fat, plus pixelisé, plus lumière des salles. IRL, il est random. Vous ne faites pas voir par ce genre d'arnaque. Bah oui, parce que ça se trouve, il est congestionné. Sans le gestionner, peut-être. Le Raptor qui baisse les yeux devant Danny. Les temps changent. C'est le virilisme, ça me rend zinzin. La gauche qui va tomber dans le délire viriliste. Communiste, petit t-shirt Nike, petite gourde Nike, petit iPhone, petit financement de Jeff Bezos, une coupe de vrai chevalier ça, le chevalier daffinois, Danny Kali Yuga, vous n'êtes pas prêts, nous sommes pas prêts pour la fin du Kali Yuga en dépit d'eux. Lopé dans une dystopie, il se fait mettre en PLS par psychodélique, du coup n'importe quelle clé qui bégaye, haït ce skinny fat. Bref, qu'en pensez-vous de l'évolution de Danny Kali Yuga? Cela va-t-il mener à la fin du Kali Yuga? Enfin, je ne sais pas, moi ça me rend zinzin. Est-ce que vous pensez que c'est de la masculinité toxique de faire ça? C'est pas très déconstruit, n'est-ce pas? C'était le Consul Pazone. À la plus, à Mogus.